Ok, on est reparti sur Star Wars Jedi Survivor, let's go. Donc on est dans le vaisseau. Je crois que je vais aller là au premier. Hop. Assemblage. Ça va, ok. Donc ça, mais mes réglages ont bien fonctionné du coup. Donc on débloque l'établi qui permet de personnaliser ses sabres laser et son droïde. C'est parti. C'est l'heure de vérifier l'équipement. Alors, on commence par le sabre laser. Alors, on va commencer par les matériaux avant. Soit c'est non métaux, soit c'est métaux. Moi, je préfère métaux pour l'instant, en or. Voilà. Polissage 50, je pense, c'est pas mal. Secondaire, pareil. Secondaire. Mettre noir. Oui, ça, je vois pas trop la différence, hein, je vais vous mentir aussi. Détail. Détail, c'est le petit truc qui est là. Je vais le mettre comme ça. Ou comme ça, plutôt. À 50. Cross. Ok. État. Merde. État. Comment on change l'état? Alors il y a impeccable où c'est vraiment genre les neufs. Bon état. Usé. Vieilli. Ancien. Moi je suis impeccable. Ça marche et ça a l'air sympa. Du coup on va personnaliser du coup maintenant. Non, le matériau c'est bon, j'ai déjà mis le matériau. La lame. Alors la lame déjà. Donc il y a bleu, vert, violet, jaune, turquoise, rose, violet bleu, violet clair peut-être. Indigo, bon. Orange et blanc. Il n'y a pas rouge malheureusement, j'aurais pris rouge moi. On peut pas. Non, j'arrête pas. Du coup, orange. Non, j'arrête pas. On joue jusqu'à 20h. Oui, c'est quand pas l'habitude. Patience, héros. Lui, il est gigantesque, hein, celui-là. Hein. J'hésite entre la patience et héros. Héros, vas-y, on va tester. Ensuite, là. Celui-là, discret. Je préfère celui-là. Ça fait quoi si je les lis comme ça? Là, on va mettre ça. Changer un peu, tu vois, de poignet. Le gros bouton. On va mettre celui-là. C'est juste ça qui me dérange un peu. Si je mets ça pour faire un peu de... Non. Là, ça donne quoi? Oh, vas-y, on va mettre le full or. Ok. C'est tout bon. Voilà, il ressemble à ça, mon sabre. Bon. Pas mal, non? BD1. Alors, matériaux, c'est quoi? Donc déjà, on peut changer sa gueule. Je vais mettre ça, ça, ça. Je vais mettre ça, j'aime bien. Ça. Ses petites oreilles. On va mettre des petites antennes. Or. Ça pour l'instant. Les pattes.
On va mettre ça, non. Ou celui-là. Je vais mettre celui-là. Ok. Matériaux. Matériaux. Alors il y a plusieurs couleurs. Mettre noir. Merde, j'ai pas changé primaire. Et je le polis. Je vais polir à fond. Secondaire, du coup, mettre rouge. Parce que je mets noir et je mets juste la bande. État. Impeccable. Ancien. Impeccable, il est impeccable. C'est bon pour celui-ci? Pour l'instant, je le mets comme ça et si on débloque d'autres couleurs, on changera. En posture, je vois pas à quoi ça sert à part changer les postures, ok, mais. Et bah super. Enfin, c'est dans le jeu en fait. On y est presque. Bon, allons dans le cockpit. Let's go! Ah, ouais. Non, ouais. Alors, se reposer. Compétence. Est-ce que j'ai deux points de compétence ou j'en ai qu'un seul? J'en ai qu'un seul. Je pense que je pourrais rien faire avec un seul point. Est-ce que j'augmente ma survie un peu? Vu que je suis en très difficile. Est-ce que c'est utile d'augmenter sa survie? Moi, c'est au niveau santé maximal. On peut se mettre plus de vie, je sais pas. Vas-y, on va monter un peu la vie. Allez, je vais mettre tous les trucs du milieu, je pense. Je vais aller où là? Non. J'ai perdu dans mon vaisseau. En tout cas, dans le vaisseau, c'est fluide. Hein. Vous allez me dire pas trop dur, mais. Pas très dur. Let's go, on part en hyperespace. Jusqu'ici tout va bien. C'est quoi ça? On va se poser. Les systèmes tombent tous en panne. Y'a quelque chose ? Redémarrage des moteurs. Bien joué, PD. Jamais le hangar. Il faut qu'on se pose. Accroche-toi, BD. Complètement grillé. Sans réparation, on redécollera jamais. Alors, on est là, et ça, ça doit être l'avant-poste. J'imagine qu'on va enfin découvrir la cantina de Grise. Ok. Bon, allez, viens. Let's go les gars. Bon, on est bien garé hein, dis donc. Et pour l'instant c'est fluide pour moi. Hein. Tellement calme. Bravo, aurait bien aimé. Pour toi, c'est pas pour toi. Allez, pour vous. On a encore du chemin. Pour toi le chat.
D'accord. Donc, Grise est de l'autre côté de tout ça. Tu veux bien que je jette un œil ? Il y a un petit... animal. Cette créature. On a notre cible. Il n'y a plus qu'à l'atteindre. Il faut que je trouve une sorte de... Je visais quoi, je sais plus. Je peux pas viser un truc avec les jumelles. En ce moment, une balise. Vous pouvez ouvrir son emplacement sur le joker. Ok. Et okay. Tout. Parce que c'est fluide pour vous le live ou pas? Dites-moi tout. Ça fait longtemps, prof. Qu'est-ce que tu dirais maintenant? Allez, le Mantis ne va pas se réparer tout seul. J'espère que Grise aura les bonnes pièces. Il est mon arme, hein? Il a l'insecte de merde là. C'est fluide. Une minute et arrêtez. Je dois vider mon esprit. Je médite. Ah, entraînement. On fait l'entraînement ou pas les gars? Comme ça on l'a fait, c'est fini, c'est fait. Bon, c'est rapide hein. C'est rapide, vous inquiétez pas. Attaquez. Ça rame là. Vous le trouvez comment ma sabre laser les gars? Ils sont beaux, ils sont beaux, ils sont beaux. Bloqué. Il faut maintenir L1, my bad. Et tape-moi, j'ai le gredin. Pourquoi il fait des attaques rouges? C'est pas logique. Et c'est bon. Hop. Et boum. Barré. Voilà. Avancer. Parade avancée. Par quoi? Juste avant que l'attaque ennemie vous touche. J'ai fait hein. Ça, je peux pas le parer ça. On peut pas parer des rouges. Pourquoi ils mettent des rouges alors qu'on peut pas les parer? Faut parer tous les coups d'affilée là. En difficile ça va être compliqué hein.
En fait, faut tout parer d'un coup. Je peux pas parer du rouge. Ah putain, mais c'est mal fait. Contre-attaque après que leurs coups ont été parés. Parer leur contre-attaque. Qu'est-ce que j'ai fait là? Je peux pas parer. Attends, on peut parer du rouge? Attends, peut-être qu'on peut parer du rouge. Je dis de la merde. Ouais, c'est trop dur cet entraînement là. En fait, en difficile, c'est trop dur. Et du coup. Ah, peut-être qu'il faut faire carré après. Attendez. Ah, c'est peut-être ça, attendez. Ah non, ça marche pas. Je comprends pas là. J'avoue ne pas comprendre. Vu que l'attaque rouge, on peut pas la parer. Je pars ça. Je peux pas parer ça. Je comprends pas. Quelqu'un a compris dans le chat? Je pense pas hein. Ça va, elle remonte. Ah, je crois que j'ai compris. J'ai compris ce qu'il attend de moi, le jeu. Ok, j'ai compris. Regardez, en fait, faut que je fasse carré. Et là. Voilà, ok, putain, c'est mal expliqué. D'accord. Ouais, c'est ça que je dois parer. Ouais, c'est, je dois parer quand je fais carré en fait. Là, je fais carré. Et après, quand il contre-attaque, c'est là que je dois parer. Maintenant. Là. Et là, ça marche. D'accord. Ok, plus qu'un. Voilà, putain. J'ai bien Dark Vader Souls, bah c'est ça hein. De toute façon, il y a des inspirations de Dark Souls, il y a des feux de camp. Et les âmes, quand tu meurs, tu perds tes âmes à terre. Est-ce qu'il fait des... Trois skills parfaites. Ok. Allez, plus qu'un entraînement les gars. Lancer 3 fois, oui. Ah merde. Désolé. C'est bon. C'est bon, entraînement terminé. Voilà, c'était court. Bon, j'ai un peu galéré pour un truc, j'ai pas compris ce qu'il fallait faire. Mais c'est bon. GG à tous les gars. On peut y aller. Donc en face, je peux pas y aller. Scanner ça ou pas? On dirait que le portail ne fonctionne pas. Hop. Il charge. Allez, let's go les gars. On va avancer tranquillement. Non, je voulais les écouter, ils sont trop marrants les droïdes. Moi je peux pas. J'adore ces droïdes, moi. Bon, je voulais les prendre avec la force, mais ça marchait pas.
Abattez-le, abruti! Encore un autre éclat. Dit-il en mourant. Alors faut que je scanne les ennemis, pas que j'oublie. Souviens, les pillards du chaos. Dans quoi Gris s'est encore fourré? Let's go les gars. Oh. Il aime bien scanner. Et tout ce qui bouge, ce droïde. Oh, je voulais faire le R3. Regarde-moi cette chose. Gris a vraiment choisi un endroit intéressant pour s'installer. Ok les gars. Désolé mon pote. Dilemme résolu. Et petit raccourci. Et bon boulot, on va gagner du temps. Comment ça s'appelle? Les droïdes, c'est vraiment les meilleurs Star Wars. Hein. Viens là mon pote. Enfin je peux Je voulais renvoyer le missile pour m'amuser, putain, on peut plus s'amuser de nos jours. On peut plus s'amuser les gars. Ça me rappelle un truc, il faut que j'ajoute un truc, c'est où? Merde, comment je fais pour activer l'option? Il faut que je mette pour passer les cinématiques que je puisse le faire. Parce qu'en fait, quand je vais mourir, en fait, bah, on va revoir les cinématiques en boucle. Donc, il faut que je trouve l'endroit. C'est où? Vous voyez c'est où? N'hésitez pas. Puis. Voilà. Probabilité peut-être. Pendant une conversation, appuie sur croix pour passer à la prochaine ligne. Le dialogue n'affecte pas les cinématiques. Cette option peut être n'affecte pas les cinématiques. Ah bah ça sert à rien. Ok. Donc les cinématiques, on sera obligé de les voir 600 fois les gars. Si je meurs contre un boss pendant 10 fois d'affilée, on verra les cinématiques 10 fois d'affilée. Ça, je suis pas mort trop loin. Donc c'est le robot qui a mes âmes là. Us. On voit rien. Oh un missile, vraiment un missile! Mais non!
Je voulais qu'il m'envoie un missile. Putain, ils sont pas marrants. Hein. Ça fait beaucoup de goudron. Ok. La consigne est débloquée. Yo. Un vaisseau coincé? Oui, je connais ça. J'aurais bien aimé t'aider. Ah, je peux pas t'aider pour l'instant, désolé. J'ai pas encore le pouvoir. Et je reviendrai pour t'aider, t'inquiète. Pour l'instant, je peux pas. Barbe courte. Ok. Attends, il a peut-être parlé. J'avance doucement parce que je veux voir s'il parle. Il parle pas, les gars. Désolé. Aningaland. Moi j'aurais trouvé Aningaland quand avec ses armes là. Est-ce que je peux sauter sur le droïde et l'assassiner, vous pensez? Oh, je suis meilleur. Oh là là. Ok. Très bien en difficile. En très difficile, pardon. Pardon. Ces pillards ne sont que des meurtriers. On s'arrête un instant. Ok, on se repose. Compétence, j'en ai qu'une. On va aller à gauche en premier. C'est tout bon. Oh, mes amis droïdes! Viens là, mon pote. J'ai fait rond, ça marche pas! Ça marche pas! J'appuie sur rond, les gars, il y a un délai. En fait, il y a un délai quand j'appuie sur rond. Et du coup, des fois, en fait, les attaques rouges, je peux que esquiver, ok? Mais il y a un délai. Quand j'appuie sur rond. Trop bizarre. Je sais pas si on peut l'enlever ce délai dans les options. Ok. Un Goroko. Un nid. On dirait qu'il a traîné sa planche. Un nid.